Mais, Monsieur le Président, le plan du gouvernement laisse 11 millions de Canadiens sans aucune protection. Il ne règle pas la question des pensions lors des faillites d'entreprise et ne couvre pas les travailleurs qui ne sont pas protégés par les lois provinciales, comme c'est le cas pour les employés de Nortel. Est-ce que le Premier ministre s'engage à reformer la loi sur les faillites afin que les régimes de retraite des travailleurs soient remboursés avant les créanciers? Bravo, Jack.